Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'exercice 2 du brevet Pondichéry 2017. Voici l'énoncé. Un sac contient 20 boules, ayant chacune la même probabilité d'être tirées. Ces 20 boules sont numérotées de 1 à 20. On tire une boule au hasard dans le sac. Tous les résultats seront donnés sous forme de fractions irréductibles. Question 1. Quelle est la probabilité de tirer la boule numérotée 13? Question 2. Quelle est la probabilité de tirer une boule portant un nombre pair? Question 3. A-t-on plus de chances d'obtenir une boule portant un nombre multiple de 4 que d'obtenir une boule portant un numéro diviseur de 4? Question 4. Quelle est la probabilité de tirer une boule portant un numéro qui soit un nombre premier? Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Alors, rappelons la formule de probabilité. Donc, par exemple, si on note A, la probabilité de A est égal à nombre d'issues favorable sur nombre d'issues totales. Alors, donc ici, tu tirais une boule 13, donc il y a une seule issue favorable, donc c'est la boule 13. Boule 13, donc la probabilité de tirer une boule, la boule 13, tirer la boule 13, eh bien c'est égal à 1 sur le nombre de boules 20. 1 sur 20. Fraction irréductible, donc la probabilité de tirer la boule 13 est de 1 sur 20. Alors, numéro pair entre 1 et 20. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il y a 10 issues possibles, favorables. Mais la probabilité de tirer une boule pair, eh bien c'est 10 sur 20, 20 boules au total. On peut diviser par 10 en haut et en bas, donc on trouve 1 demi. Donc la probabilité de tirer une boule portant un numéro pair est de 1 demi. Alors ici, on va rappeler ce que c'est multiple de 4. Donc c'est un nombre qui est divisible par 4. Un nombre divisible par 4 entre 1 et 20, ça va être 4, 8, 12, 16 et 20. Et les diviseurs de 4, on peut les lister. Donc 4, 1, 2, 2. Donc 4, 1, 2. Donc 1, 2, 4. Donc la probabilité d'avoir un multiple de 4, 1, 2, 3, 4, 5, donc 5 sur 20, ça va être 1 quart. Probabilité de tirer un diviseur de 4, eh bien c'est 3 sur 20, 3 sur 20 étant une fraction irréductible. Or, 5 vingtièmes supérieur à 3 vingtièmes, Donc on a plus de chances d'obtenir une boule multiple de 4 qu'une boule diviseur de 4. Alors, question 4, nombre premier, donc un nombre qui n'a que deux diviseurs, 1 et lui-même. Alors, on ne peut pas prendre 1 parce que 1 n'est pas un nombre premier. 2, 3, 5, 7, 9, non. 11, 13, 17 et 19. Ça, ce sont tous les nombres premiers entre 1 et 20. Donc, il y a 9 nombres premiers, donc probabilité de tirer une boule premier, eh bien, c'est égal à 9 sur 20. Fraction irréductible.
Ainsi, la probabilité de tirer une boule portant un numéro qui soit un nombre premier est de 9 vingtièmes. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMAT. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.